Salut, beau gosse. Bonjour, madame. Madame, tu ne me reconnais pas? Je devrais. Il devait avoir 10 ans quand tu as quitté la scène. À 10 ans, on suffe pas mal de Zizi et de ses jambes légendaires. Zizi Jeanmaire, la vamp de la revue. Ah, tu vois qu'il se souvient. Oui, j'ai vu des photos. Et qu'est-ce que vous avez changé? Insolent, un peu de respect pour une diva comme moi. Ben oui, quoi. Un peu de respect pour les vieux monuments. Oh, vieux monument toi-même, hein. Regarde-moi ça. Des jambes comme celle-là. Plus jamais tu n'en verras. Tu oublies les miennes. Et les miennes, je pense que celles de sa copine ne sont pas moins divines. Vous avez raison, monsieur. Celles de Carole sont de vrais petits bijoux. Pour descendre les marches du casino, pour séduire tous les hommes, il vous faut, ce n'est pas trop, des jambes dignes de la place Vendôme. Elles ont été celles de ma Carole, si vous les voyez. Pour se faire une raison, faut une comparaison. Ce n'est pas l'homme le plus grand prédateur pour l'homme. Ah ? Et c'est qui ? C'est qui ? C'est la femme. De vraies croqueuses d'hommes. Après le diamant. Ne rêvez pas, mesdames. Ne fantaisez pas. Je vous jure sur mon âme que vous ne m'aurez pas dans vos bras. Mais je peux vous assurer et vous dire avec fierté que pour la femme, les jambes sont des hommes le grand frisson. Les jambes de la femme sont depuis toujours le plus doux fantasme qui nous joue des tours. Et sous leur emprise, les plus belles prises sont pour les papillons. Piqué sur un bouchon, c'est sans état d'âme que d'ores et déjà, je le dis sur mon âme, vous ne m'aurez pas ce mignon cuidam pour votre collection. Tant pis si j'incarne un vilain garçon. Je suis comme ça, sachez le bien, et pour la chose, passez votre chemin.